to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Pour commencer, une petite question. Vous carburez à quoi? Personnellement, au CBD, à la bibine, au bêta-bloquant, mais surtout, à la musique. J'ignore quel psychotrope s'injectent les membres de Slift, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils chargent la barque. Ilium est un album que m'a recommandé Stéphane, qui lui fume du gruyère aromatisé à la bière. Un album de 79 minutes et seulement 8 morceaux qui donne dans le métal psychédélique. Un mélange pour le moins détonnant. Slift est une formation toulousaine née en 2016. Deux frangins et un pote de lycée qui ont gravé trois galettes en comptant Ilium. La forme psychédélique domine les morceaux, mais du heavy psyché le plus souvent gueulé qui traumatiserait un babacool fumeur de paillasson. Pour faire court, ça dépote pas mal. Si on compare leur musique à celle de King Buffalo par exemple, celle de Slift est nettement plus musclée et moins répétitive, partant dans des délires sous acide bien dosés, même si de temps à autre ils s'opposent sur du cinématique comme dans le titre album. Bon, quand je dis qu'il n'y a pas de répétition, c'est peut-être un peu exagéré quand même, comme en témoigne l'interminable trip de Confluence, ou bien The Story That Has Never Been Told, à ne pas confondre avec The Never Ending Story. Pour le chant, il n'y a pas non plus que dégueulant. Il y a par exemple du chant féminin sur Nymph avec des chœurs évanescents et des voix quasi liturgiques dans The Story That Has Never Been Told. Le résultat est assez bluffant, mais certainement un peu longuet tout de même. C'est le genre d'album qui n'est pas franchement facile à écouter en faisant la sieste. D'ailleurs, à la troisième écoute, mon épouse, pourtant assez tolérante en matière de musique, m'a gentiment, mais fermement, invité à mettre le son en sourdine ou à porter un casque. C'est un signe. Je vous le recommande pourtant. Ilium est une magnifique galette made in France qui devrait séduire les filles du coupeur de joint. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle overdose. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts pour fumer de la marijuana. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez suivre les autres, abonnez-vous. Bisous !